Hello. Hello. Good morning, good afternoon. Bonjour, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors avant de commencer, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Jenny Howard et je suis la responsable de communication au Partnership pour politique policy, pour Economic Policy. Et je voudrais partager avec vous certains détails pour aujourd'hui. Nous avons la disponibilité d'avoir l'interprétation en français. Donc, vous pouvez simplement faire clic en bas sur votre écran sur langue pour choisir la langue de votre préférence. Vous pouvez aussi changer la langue de l'interface en haut de l'écran. Nous vous invitons à poser des questions à nos panélistes à n'importe quel moment de cet événement. Utilisez donc la boîte de discussion en bas à droite. Questions du public. Pour envoyer vos questions, les panélistes répondront aux questions après la discussion. N'hésitez pas à utiliser aussi la boîte de chat générale pour vos communications, mais sachez que si vos questions ne sont pas présentées sur la boîte de questions, il est possible que nous ne les voyons pas. Tous les messages peuvent être traduits par une machine dans vos langues. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une session publique. Restez courtois. Et si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à cliquer sur le point d'interrogation en bas à gauche de votre écran pour demander de l'aide à notre soutien technique. Sachez que nous enregistrons cet événement et que nous allons le partager sur notre chaîne YouTube et notre site web. Je suis très heureuse de donner la parole à notre modérateur, Lucas Ronconi, professeur d'économie à l'Université de Buenos Aires et un chercheur enseignant pour PEP. Merci, Lucas. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de participer à ce panel. Et permettez que je commence par présenter l'initiative PEPCOR. L'initiative PEPCOR comprend 11 études nationales menées dans le monde en voie de développement en Afrique, Asie et en Amérique latine. Après le début de la crise de ont été soutenus pour informer les politiques pendant la crise de Covid. Donc, nous avons appris beaucoup de leçons et nous avons maintenant, nous célébrons ces panels afin d'apprendre davantage sur les leçons que nous avons apprises de cette expérience. En particulier, les trois projets dont nous allons parler aujourd'hui utilisent des modèles, pardon, des modélisations en équilibre général calculable pour leurs simulations. Et nous voulons insister qu'elles ont collaboré avec les représentants des institutions gouvernementales et leur engagement a été particulièrement réussi. Alors maintenant, permettez que je vous présente nos panélistes. Je vais commencer avec Dr Saïda Ahmed. C'est la directrice de développement durable et de l'environnement à l'Université des sciences et technologies de la capitale au Pakistan. Nous avons aussi avec nous le professeur Adeola Adeniyi-Kinjo. Il est professeur d'économie et également directeur du Centre pour le pétrole, l'économie de l'énergie et le droit à l'Université d'Ibadan au Nigeria. Finalement, nous avons le professeur Albert Makoche-Kanwa, professeur d'économique et président du département d'économie de l'Université du Zimbabwe. C'est réellement un plaisir d'avoir ces trois panélistes pour discuter le thème sur lequel nous allons nous centrer aujourd'hui, c'est-à-dire les implications politiques des réponses à la crise de la COVID. C'est quelque chose
intéressant pour tout le monde. Alors, je vais poser une série de questions à nos panélistes et je vais leur demander de rester brefs dans leurs réponses. Nous encourageons également le public à poser vos propres questions aux panélistes en utilisant la section « Posez vos questions » dans la boîte de chat à votre droite, en bas à droite de l'écran. Alors, commençons donc avec la première question. Pourriez-vous expliquer brièvement comment et pourquoi vous avez choisi le thème de votre projet de recherche? Est-ce que votre recherche a été liée aux besoins politiques spécifiques de vos pays? Oui, ça ira. Malheureusement, Sarah, on ne vous entend pas. On n'arrive pas à vous entendre, malheureusement. Ce que nous pouvons faire, Sarah, pendant que vous essayez de corriger votre problème technique, je ne sais pas si Adéola souhaiterait continuer. Oui? Oui, bien sûr, merci. Et je vais vous offrir un petit peu de contexte. Avant la crise de COVID-19, au Nigeria, nous avions déjà des problèmes de sécurité et certaines vulnérabilités. Cela comprend tout d'abord l'adaptateur de croissance qui est assez rapide. Covid a cru par 0,2% et a augmenté de 2019. Et juste avant que le Covid, la croissance était 2,7%. Nous sommes aussi confrontés à des problèmes liés à un taux assez élevé de chômage, 40%. En plus, nous avions des problèmes de sécurité. Dans une grande partie du pays, il y avait des problèmes de sécurité, ainsi qu'une dépendance élevée fiscale sur le secteur du pétrole et du gaz. Nous parlons de 50% des revenus globaux pour l'économie. Alors, quand la COVID est apparue, les décideurs politiques étaient très inquiets sur de trois problèmes. D'abord, comment créer un plan de financement pour l'économie pour atténuer les problèmes de la COVID? Alors d'abord, comment financer? Est-ce que nous demandons des subventions? La deuxième question pour les décideurs politiques à l'époque, c'était quels sont les meilleurs instruments à utiliser qui soient vraiment effectifs. La période de l'étude, les décideurs politiques cherchaient à examiner les instruments qui avaient été déployés, lesquels s'ils marchaient, et ils inquiétaient aussi du long terme, au-delà, si nous récupérons l'économie, comment assurer sa croissance. Dans notre cas, nous étions complètement engagés avec les décideurs politiques. Nous avons créé une équipe de conseillers, et dans cette équipe de conseillers, nous avons le conseiller de président, le conseiller spécial du ministre des Finances, le conseiller de vice-président de l'économie, le directeur de macro et budget et plusieurs directeurs de la Banque centrale du Nigeria. En d'autres mots, ce projet a été fondé
La conception, la mise en œuvre. Avec ces décideurs politiques, et cela a influencé notre méthodologie et comment nous avons réalisé notre étude. Merci, Adéola. Et merci, Saïra, de votre patience. Merci beaucoup. Voyons si votre problème technique a été résolu. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Fantastique. Alors, je vais continuer. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Malheureusement, j'étais en sourdine tout à l'heure. Merci de l'assistance technique de VoiceBoxer. Alors, oui, c'est une question très importante comme nous avons choisi l'axe de notre recherche et sans doute au moment où le COVID nous a frappés au Pakistan. Les gouvernements nationaux et sous-nationaux ont passé des soulagements fiscaux pour le public, pour la population, et nous avons étudié comment la politique fiscale peut être catalyste dans le redressement après la pandémie. Les partenaires de développement qui soutenaient le gouvernement souhaitaient concevoir une réponse complète qui touchait aussi sur la politique fiscale. Bien entendu, un soulagement fiscal n'est jamais facile puisque le Pakistan est couvert par un programme d'ajustement par le FMI et quand la pandémie a éclaté, cela a été déjà le cas. Donc, quand nous parlons d'options de soulagement fiscal, les options doivent être alignées et conçues non seulement pour améliorer les difficultés que les contribuants apportent ou les forums de commerce, mais aussi pour aider les gouvernements à minimiser les pertes de revenus. C'est exactement ce que nous souhaitions étudier et nous voulions savoir comment, quelle était l'importance pour les décideurs politiques, pour savoir quels changements fiscaux travailleraient ou fonctionneraient mieux. Et notre étude a essayé d'évaluer les mesures fiscales et comment elles pouvaient performer pendant la première partie de la pandémie afin d'aider à élargir aider le gouvernement à comprendre la conception d'un code fiscal compréhensif pour les habitants. Et cela nous aidera à l'avenir pour la conception de politique fiscale en temps de crise. Merci. Merci, Saïra. Merci beaucoup. Alba, en fait, je pense que nous avons des problèmes avec le professeur. Je pense qu'on va simplement passer à la deuxième question. Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, passons donc à la question numéro 2. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire les dimensions de la politique fiscale, de la crise ou de la réponse du gouvernement, la stratégie du gouvernement, comment a-t-elle évolué à partir du départ, enfin à partir du début, à partir du moment où la crise a été déclarée? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment où la COVID a explosé en 2020, l'espace fiscal était très étroit. Le gouvernement affrontait de difficultés. Il y avait très peu d'espace fiscal. Je vais vous donner certains détails. Par exemple, 5%. Les dépenses gouvernementales étaient autour de 7%, l'un des plus bas du monde. Et le projet avant 2020, avant le départ de la COVID, on voulait financer le déficit
En fait, en 2019, la situation de dette était au-delà de 80% pour le PIB. Donc, pour chaque dollar que nous arrivions à collecter en revenus, nous dépensions 80 centimes pour financer notre dette. Donc, le gouvernement affrontait un grand défi. Alors, pour répondre à cela, le gouvernement a établi un plan qu'il a appelé le plan de durabilité économique, qui était conçu pour à différence de beaucoup de pays africains, le gouvernement devait confier sur la banque centrale qu'elle jouait un rôle très important, surtout au niveau fiscal. La banque centrale contribuait avec 1,8 trillion. Et le gouvernement fédéral, la banque centrale, avait un rôle très actif. Et cela lui a valu beaucoup de criticisme, beaucoup de critiques de sources non gouvernementales, puisque l'idée, c'était que la banque centrale ne devait pas intervenir directement dans l'économie. Mais à partir de subventions, de prêts subventionnés, pardon, pas de subventions, que l'on appelait des facilités ciblées de crédit. Il s'agissait de crédits à court terme pour les foyers touchés. Il y avait aussi des crédits subsidiés pour le secteur de l'économie. Mais le gouvernement a aussi, comme j'ai dit, le gouvernement était assez restreint. Une des choses que le gouvernement a dit immédiatement, c'était de réviser le budget 2020. Ils ont compris que la plupart des assumptions de revenus n'étaient pas réalistes. Et quand le projet a été préparé, les prix du pétrole étaient très élevés. Et en 2 mois, le gouvernement a dû réviser son budget pour le rendre plus réaliste. Ils ont révisé le prix du pétrole de 56 dollars par baril à 26 dollars par baril. Donc, il y a eu beaucoup de déficits. Et aussi, en outre, le gouvernement a fait des transferts, mais il n'y avait pas de registre national et le gouvernement a dû adopter des personnes qui allaient au marché pour distribuer de l'argent en espèce aux personnes qui travaillaient dans les marchés. Et donc, il y a eu des problèmes quant à l'effectivité de ce genre de mesures et aussi cela causait des problèmes quant à la stabilité. Est-ce que les gens réellement avaient des bénéfices de cela? Il existait donc le besoin d'avoir un recensement des personnes pauvres et en vulnérabilité. Une chose que le gouvernement a fait rapidement, c'est qu'ils ont redirigé les dépenses du gouvernement vers le développement humain et la sécurité humaine, et cela national. Donc, c'est ce que le gouvernement a adopté pour répondre à la crise du COVID-19. Merci. Merci beaucoup. Alors oui, je voudrais juste ajouter à mon commentaire de tout à l'heure, parce qu'il nous faut évidemment parler des parties prenantes. Alors, je voulais dire que nous travaillons de près avec le ministère de Planification et de Développement, le ministère du Commerce et le comité fédéral de revenus. Et
Cela a été de grands bénéfices. Nous avons eu un processus itératif de consultation que nous avons gardé avec leurs représentants et nos représentants, leurs contreparties de leur côté, et nous étions informés des différentes étapes du projet. Ils étaient aussi informés par nous et le feedback a été développé. Et revenant à ta question, oui, le gouvernement a été évidemment surpris. Et le Covid était une situation où le gouvernement a dû affronter beaucoup de difficultés dans toute l'Asie du Sud-Est également. Mais le gouvernement pakistanais a répondu rapidement, de manière très responsable. Pendant le premier confinement, nous avons vu que le gouvernement était capable de transférer 12 000 roupies par famille. C'était une aide immense et sans doute il y avait des problèmes de redevabilité, comme le professeur l'a mentionné, mais le gouvernement a continué et ne s'est pas arrêté. Et par le biais du Centre de documentation nationale, NADRA, ils ont pu permettre, ils ont pu évaluer les familles et faire ce transfert de 12 000 roupies par famille pendant à ce moment d'urgence, parce qu'évidemment les personnes étaient chez eux, ils ne travaillaient pas. Et donc, bien sûr, les travaux informels ont reçu le plus grand bloc de problèmes. Et ce plan donc a été lancé pour offrir un peu de répit aux commerces en leur permettant de retarder le paiement des services 3 mois. Ça a été énorme. La Banque centrale a permis cela par le biais des banques, mais les banques aussi on a demandé aux banques d'autoriser des crédits aux petites et moyennes entreprises dont le gouvernement a répondu rapidement par le biais de la Banque centrale. Bien sûr, l'étendue du confinement a eu un impact sur le chômage, sur le manque de sécurité, et les efforts ont tous été centrés sur l'atténuation de l'impact sur la santé. Mais évidemment, cela a aussi résulté sur un ressentiment. Les personnes ne voulaient pas que le gouvernement oblige le confinement, mais puis, dû à la situation mondiale, il y avait vraiment beaucoup de pression du secteur santé d'imposer ce confinement. Donc, le gouvernement l'a fait. Et pendant la pandémie, on a observé que les entreprises petites et moyennes se plaignaient des difficultés qu'elles avaient avec les coûts fixes. Et bien entendu, là, le gouvernement ne peut rien faire. Il faut payer le loyer, il faut payer les coûts permanents et fixes. Et cela se devait dû à la réduction dans la stabilité de l'emploi. Le gouvernement, finalement, a aussi approuver une subvention pour les paiements de l'énergie électrique, y compris le ministère du Commerce. Les subventions pouvaient être mal utilisées, mais tout a eu lieu. Je ne m'appellerai pas dire que c'est dangereux, mais je pense que la vitesse des réformes était tellement rapide que je pense qu'il n'était pas possible d'avoir plus de vérification de redevabilité. Et les objectifs généraux a été d'aider à cibler les pourcentages de subventions. Il y avait aussi des exemptions d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci Adéola et ça ira. C'est très intéressant de voir que nous pouvons penser que pendant la première année de la crise de Covid, disons,
Les incitations des faiseurs de politique et des chercheurs étaient alignées dans un certain sens, puisque les décideurs politiques essayent de s'orienter vers les dépenses fiscales. Et nous voyons quand il y a un choc négatif, nous savons que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, les encouragements étaient dans le passé. Maintenant, nous avions un défi fiscal devant nous. Alors, les gouvernements devaient maintenant s'occuper de cela, de cette situation actuelle et de tous les défis fiscaux. Alors, je voudrais connaître votre opinion, si vos constatations ou vos recommandations politiques sur comment s'occuper des défis courants et futurs, si vous avez discuté cela avec des décideurs politiques aussi, et s'ils prennent en compte vos recommandations. Merci beaucoup. Je vais répondre de la manière suivante. Tout d'abord, je voudrais vous parler des recommandations de mon étude et ces recommandations ont d'une certaine manière influencé indirectement les politiques gouvernementales concernant les approches fiscales que le gouvernement a adoptées durant le Covid et peut-être même après le Covid. Et quelles sont les constatations principales qui ressortent de mon étude? Comme j'ai dit tout à l'heure, à un certain point, nous avons parlé avec des fonctionnaires haut placés pour expliquer quelles étaient les implications de ces constatations. Et les recommandations de mon étude sont les suivantes. Premièrement, que la pandémie a eu un impact disproportionné sur le secteur informel et agriculteur et que cela implique que le besoin d'améliorer l'effectivité de la vaccination pour que cet impact négatif sur les femmes puisse être allégé. Nous avons également dit que les résultats, la mobilisation est cruciale si les gouvernements vont continuer avec les dépenses. Les dépenses étaient bien plus élevées que les revenus. Et pour maintenir ce niveau de dépenses, il y avait besoin d'une mobilisation des ressources. Et observant les dépenses et les coûts de dépenses, il est important aussi de prendre en compte les effets sur les groupes vulnérables. Donc, si le gouvernement voulait aller réduire les dépenses, il est important que l'impact de cela sur les groupes les plus vulnérables, il faut savoir où nous allons arrêter les dépenses. C'est très important. Nous avons aussi compris que les interventions du gouvernement sont effectivement très importantes pour atténuer les effets négatifs, mais les sources de dépenses sont aussi très importantes. Donc, les implications de comment financer ces dépenses sont pour l'emploi à long terme, pour la croissance. Au moyen et au long terme, il y a des implications sur le cadre fiscal et sa détérioration. Et sur les effets négatifs, sur le chômage, sur la pauvreté et sur la croissance économique à long terme. Donc, il était très clair que ce que le gouvernement était en train de faire, c'était bien, mais il fallait encore trouver la manière de répondre aux écarts de revenus.
Et maintenant, si nous examinons le budget de 2021-2022, le gouvernement maintenant fait des efforts délibérés afin de réduire les sources du budget. Alors, le gouvernement a une dépendance du pétrole et cela répond à 30% des revenus gouvernementaux. Cela a été attenu. Mais le gouvernement n'a pas compris que nous ne pouvons plus dépendre du pétrole. Il doit y avoir une restructuration des revenus. Deuxièmement, le gouvernement a aussi lancé une initiative stratégique de revenus pour aussi impulser la mobilisation des ressources nationales qui ont augmenté de 5 à 7,5%. Le gouvernement a essayé d'amarrer les prix du pétrole, mais malheureusement, quand les prix ont commencé à augmenter, le gouvernement n'a pas pu ajuster les prix nationaux du pétrole. Mais en époque récente, les sources non pétrole contribuent de manière importante aux revenus gouvernementaux. Une autre chose qui était importante pour notre étude, c'était le financement de l'engagement pour la vaccination. La vaccination, c'est la stratégie la plus importante pour nous pour agiliser la croissance. Et cela montre que l'écart des sexes n'augmentait pas. Donc, il fallait assurer que les Nigériens reçoivent aussi leur vaccin. Et finalement, maintenant, les gouvernements recentrent leurs dépenses pour le développement du capital humain et l'éducation. Maintenant, il faut s'occuper des personnes vulnérables et nous souhaitons nous occuper d'eux. L'on peut être bien préparé. Voilà certains des résultats et des réflexions que nous avons eues à partir de notre étude. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant, professeur Adeola. Alors, oui, au départ de la première vague, le gouvernement du Pakistan a décidé de réduire les taxes d'importation du secteur d'alimentation et d'agriculture. Nous parlons de 2% pour stabiliser les bons prix, qui avait vu une augmentation due à la destruction de la chaîne d'approvisionnement. Cela a renforcé la spéculation des marchés. Alors, la destruction sur la chaîne d'approvisionnement, bien sûr, était là. Et les projections pour l'année fiscale 2020-2021, le gouvernement a aussi relaxé les taxes sur le revenu, l'impôt sur le revenu pour les sous-secteurs agricoles et d'alimentation.
Cela a offert le soulagement nécessaire pour les fermiers qui affrontaient des difficultés dans du flot d'argent en espèces afin de pouvoir réussir à acheter les intrants pour la prochaine saison agricole. C'est aussi nécessaire pour maintenir la production agricole et les rendements des récoltes, non seulement dans le Pakistan urbain, mais dans le Pakistan rural. Certains changements ont aussi été réalisés sur les impôts généraux de vente sur les biens de notre. Je pense que c'est surtout la réduction sur les taux pour la manufacture de 3,5% et pour le secteur de traitement alimentaire, nous avons vu une réduction de presque 5%. Le gouvernement, nous avons vu des provinces qui ont réduit le taux de GSDS qui a été estimé à 3%, et les services comprenaient le secteur informatique et autonome qui a eu une augmentation pendant la pandémie, puisque les personnes préféraient travailler sur la base de ces constatations, les constatations de notre étude, nous avons pu discuter cela dans des sessions de consultation. Avec le budget fédéral, nous avons eu la chance de pouvoir influencer le budget fédéral de plusieurs manières. Tout d'abord parce que le comité de revenus, à la lumière de notre étude, a reconçu plusieurs impôts et certains soulagements ont été fournis pendant la première vague du COVID-19 et a dû être étendu jusqu'à l'année prochaine. La même politique de soulagement a été étendue jusqu'à l'année fiscale suivante et la décision finale a été de continuer avec le soulagement fiscal et de conserver le régime fiscal de manière prévisible parce que dû au à la possibilité de relancer la croissance, il était très important que les régimes fiscaux restent prévisibles. Deuxièmement, les programmes de subventions ciblées ont été introduits et cela a été fondé sur nos études et nos simulations dans les études. Une carte de soutien a été lancée pour améliorer le ciblage de ces programmes EGC. Et finalement, je voudrais parler des taxes sur les importations qui ont été révisées par la Commission nationale. Les tarifs sur les importations et sur les biens intermédiaires ont aussi été réduits, comme nous l'avons vu pendant la pandémie au Pakistan. Nous avons vu que cela a été réduit et bien sûr, cela a signifié une augmentation sur la compétitivité industrielle. Merci, c'est tout pour moi. Merci. Et quand nous parlons de crise, on veut aussi voir le côté positif. On essaye de voir si les crises aussi présentent certaines opportunités. Vous en avez déjà un peu parlé, mais je voudrais vous demander si vous croyez que il y a des leçons ou que la crise a fourni les opportunités d'une gestion fiscale, de politique fiscale. Surtout sur les parties les plus vulnérables pour s'assurer que les plus vulnérables, les personnes les plus vulnérables ne soient pas celles qui souffrent le plus. Eh bien, oui, nous avons eu des opportunités qui ont surgi après la COVID-19
Et je crois que c'est très important maintenant alors. Maintenant, les gouvernements ont vu les écarts, la distribution d'argent n'avait pas beaucoup de sens et les Une chose qui est apparue, c'est que ce n'est pas une priorité nationale de ce gouvernement de sortir 1 million de Nigériens de la pauvreté. Donc, les gouvernements ont dit que le gouvernement a un plan de 5 ans et développe donc ce plan de développement sur 5 ans de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030. Et cette priorité de sortir ce million de personnes de la pauvreté, c'est l'un des objectifs les plus essentiels du gouvernement sur le plan de développement. Et quant à l'expérience, selon moi, du Covid-19, surtout pour les femmes qui sont un groupe vulnérable, les plans nationaux, lorsqu'il y a. Je suis désolée. L'interprète s'excuse. La Banque centrale a souhaité complémenter le côté fiscal et des efforts ont été menés directement sur les dépenses pour la croissance, pour réduire la pauvreté. Et c'est le résultat sur l'économie. Alors, comment garantir que vous créez des emplois? De manière à orienter la croissance. Maintenant, les gouvernements aussi se centrent sur l'utilisation d'options pour financer les projets. Il s'agit d'options non budgétaires. C'est-à-dire que le gouvernement essaie de promouvoir les partenariats publics-privés et de passer certaines dépenses du budget au secteur privé. Et je pense que pour l'avenir, cela serait très utile afin de garantir qu'il y ait une consolidation fiscale et assurer que certains des défis que nous affrontons aujourd'hui puissent être résolus. Merci. Merci. Alors, nos consultations ont discuté de ces inquiétudes. Évidemment, ce sont des inquiétudes tout à fait valables. Il faut que l'on peut améliorer la gestion fiscale pour aider les parties plus vulnérables de la population. Je pense que je dirais que quant à nos constatations, nos observations qui ont contribué à une meilleure conception de la réponse fiscale pendant la crise. Alors, tout d'abord, les changements fiscaux qui ont été conçus pour le secteur ont fourni les plus grands avantages. Alors,
le soulagement offert au secteur privé à presque tous les critères que nous avons associés à notre initiative. Techniquement, le gouvernement a introduit dès le départ un package spécial pour l'industrie de la construction. Vous voyez, l'industrie de la construction est l'un des plus grands employeurs de main-d'œuvre. Et c'était essentiel de leur donner un coup de pouce, et cela a été très apprécié par les économistes. Deuxièmement, il y a eu un soulagement pour le secteur des services, ce qui était aussi très important étant donné leur part de GDP, de PIB. Il y a eu des réductions sur les taxes. Je dirais aussi que les réponses fiscales ont mené à une augmentation des exportations. Cependant, l'impact sur les exportations, je dirais, sur le commerce a été variable. Par exemple, les réductions sur les taxes ont mené à davantage d'importations de manufactures. Mais cela a eu lieu grâce à un niveau encore plus élevé de la demande d'importation dans le secteur. Finalement, nous voyons qu'en général, la consommation, surtout quant à la nourriture, la qualité s'est étendue d'un certain niveau parce que bien que tous les foyers, toutes les familles ont vu une augmentation dans leur niveau de consommation, cela a été moins le cas dans les foyers les plus pauvres. Les salaires aussi variés selon le niveau de capacité des travailleurs, le niveau de qualification. Et maintenant, nous passons à la dernière question et après, nous passerons aux questions-réponses avec le public. Alors, permettez que je vous présente, que je vous demande quel type de preuves sont nécessaires pour informer la prise de décision associée aux défis fiscaux de la crise COVID-19. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être assez controversiales et peut-être il s'agit d'examiner le sentier vers l'avenir. D'abord, quel doit être le rôle de la Banque centrale dans la crise, dans le type de crise que le COVID a présenté, et les fonctionnaires gouvernementaux, les législateurs, le secteur exécutif voient que la Banque centrale, au-delà d'avoir un rôle plus actif, d'avoir des interventions fiscales sur l'économie, et cela continue à générer des controverses. Les ministères, les départements du gouvernement et le transfert de revenus. Deuxièmement, il y a encore beaucoup d'intérêt à connaître les interventions et les contributions spécifiques de réduction des impôts, de création d'emplois, de travail public, la réduction et les impôts payés par les entreprises, les petites et moyennes entreprises, ce sont les questions associé à l'effectivité de ces interventions. Donc, je pense qu'il s'agit de leçons pour l'avenir. Ils ont essayé d'obtenir une génération agressive de revenus
pour ces mesures de génération de profit, le gouvernement maintenant demande aux douanes d'avoir des cibles et cela va compromettre la facilitation commerciale, l'objectif commerce de facilitation commerciale des douanes. Quant aux politiques qui ont été déployées pendant le COVID-19. Donc voilà certains des problèmes que je pense que les fonctionnaires gouvernementaux doivent affronter. Merci. Merci beaucoup. Donc, je dirais que afin d'informer la prise de décision associée aux défis fiscaux, le gouvernement doit réaliser des analyses pour voir quels soulagements sont les plus importants pour ceux qui se trouvent sous la ligne de pauvreté. Faut-il aider avec un soulagement sur les prix de l'électricité ou plutôt sur les prix de l'alimentation? Deuxièmement, comment concevoir cette mesure et faut-il diminuer les taux de taxes, par exemple augmenter les subventions et si nous avons un montant de subvention, alors comment le financer? Est-ce que nous allons prendre cela? Est-ce que nous allons prendre des dettes? Est-ce que nous allons augmenter des taux concrets d'impôts? Est-ce que nous allons associer davantage de décence afin de pouvoir subventionner les prix des aliments ou de l'électricité? Merci. Merci beaucoup. Je vais lire certaines des questions que le public est en train de poser. Je vais commencer par une question de Kalem. En fait, il a deux questions, Kalem Adeolowo, et il demande quels sont les efforts que votre gouvernement est en train de faire pour améliorer les systèmes de sécurité sociale à présent et dans l'avenir. Et la deuxième partie de la question, c'est il y a eu plusieurs plans et des échecs de mise en œuvre. Quel est le plan actuel et comment celui-ci est-il différent du précédent? Je ne sais pas si Caleb pensait au cas nigérien, mais de toute manière, je vous invite tous les deux à répondre à ces questions. Il y a aussi une troisième question qui demande si les mesures fiscales pour réduire la pandémie ont été efficaces. Alors, quant aux efforts que nous avons faits pour nos systèmes de sécurité, eh bien, permettez que je dise que nous n'avons pas vraiment de système de sécurité sociale au Nigeria. C'est très lamentable. Nous avons des pensions, mais c'est pour les personnes qui sont employées, n'est-ce pas, du secteur formel. Et réellement, nous n'avons pas réellement de plan pour nous occuper des personnes les plus pauvres. Et cet écart se trouve encore là, il fait partie de la réalité. C'est pour ça que je disais que il nous faut absolument construire ce recensement. Vous savez, spécialement quand on décide d'éliminer, par exemple, la subvention du carburant. Il nous faut alors atténuer les implications négatives. Alors, la question maintenant, c'est que faire au niveau formel? Peut-être que j'envoie de l'argent mensuellement à mes parents ou à mes dépendants, mais il n'y a pas de structure formelle établie pour s'occuper
s'occuper réellement de cette dépendance. D'un autre côté, pour ceux qui sont à la retraite, comment est-ce que le système de pension fonctionne? Merci beaucoup. C'est une question très importante, surtout parce que le gouvernement est en train d'essayer d'améliorer le système de sécurité sociale, non seulement maintenant, mais auparavant également. Les derniers gouvernements dans le passé ont conçu l'un des programmes de soutien de revenus les plus puissants de l'Asie du Sud-Est. Mais bien sûr, je pense que le défi, c'est plutôt qu'il nous faut travailler sur la documentation de l'économie. Et donc, il y a encore beaucoup de travail nécessaire sur ce côté, à moins que l'économie soit documentée. Il y a tellement de travail informel. Les personnes travaillent de chez eux. Il manque encore beaucoup de travail dans ce sens. Et la deuxième question qui était relative au. Les échecs dans la mise en œuvre, bien entendu, eh bien cela vient d'une documentation faible. Nous n'avons pas suffisamment d'industries qui se trouvent dans la base impositive. Cela a été le cas aussi dans le passé. Et je pense que l'échec est en partie dû à la corruption aussi, qui a lieu dans les niveaux les plus bas. Et le gouvernement actuel est véritablement centré sur cette corruption, sur vaincre cette corruption. Il travaille avec le Bureau national de redevabilité et nous voyons que les fonctionnaires civils et les fonctionnaires se trouvent maintenant sous beaucoup de scrutin. C'est très important parce que s'il n'y a pas de redevabilité, je ne pense pas que les programmes puissent réussir. Merci. Merci. Nous avons un grand nombre de questions qui viennent maintenant, donc je vais lire deux ou trois. Et après, Adéola et Zahira, vous pouvez choisir peut-être la question qui vous semble que vous avez quelque chose de plus intéressant à contribuer. Alors, nous allons par voyons comment pouvons-nous associer les mesures politiques fiscales et impositives avec la digitalisation de l'économie pendant COVID-19. Alors, Adeola, on demande quelle est la stratégie optimale pour réduire l'impact de la dette publique accumulée pendant la crise. Et c'est aussi important. David, from Etropie, demande que proposez-vous comme outil ou instrument effectif pour une intervention de la politique fiscale pour l'avenir? Et finalement, encore une question par Abiola. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'évaluation de l'impact d'une élimination totale d'avoir une subvention du carburant par le gouvernement nigérien? Alors, vous pouvez choisir si vous souhaitez répondre en partie à l'une de ces questions. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Merci. Voilà des questions bien intéressantes. Je vais donner des réponses à certaines de ces questions. Je ne pense pas que les gouvernements essaient de tirer profit de la digitalisation en tant que cadre pour gérer la création de taxes dans le pays.
Au Nigeria, nous avons des personnes très très riches qui ne payent pas d'impôts. Donc l'évasion des impôts est très très élevée. Les personnes ne déclarent pas les revenus. Ils obtiennent beaucoup d'argent qu'ils ne déclarent pas. Et soit peut-être que ils vont aussi être de connivence avec les autorités. Maintenant, avec la digitalisation, ça devient plus difficile. Il y a des projets qui sont en train d'être faits. On voit aussi ce qui se passe dans ces comptes et on ne dépend pas d'eux pour voir combien ils ont gagné. Donc, ils vous disent aussi quelles sont les taxes que vous payez. Donc, la digitalisation, à mon avis, nous aide réellement à augmenter la collecte des impôts dans l'économie. Quant à réduire l'impact de la dette publique, c'est très clair et les gouvernements en sont pleinement conscients. Je m'excuse, il semble que le professeur Nikenjo a un petit problème technique. Nous pouvons donner la parole à Seira. Oui, merci beaucoup, beaucoup. Alors voilà des questions très intéressantes, sans aucun doute, qui ont été posées. Et je suis certaine que les problèmes sont semblables, comme le professeur Adiola l'a dit. Il y a beaucoup d'impôts, pardon, d'évasion des impôts par l'élite, par les niveaux les plus élevés, et cela doit être contrôlé. La digitalisation se trouve sur le mandat du gouvernement actuel qui a cette politique de digitaliser toute la machinerie gouvernementale. Il y a une section spéciale dans le bureau du Premier ministre qui s'occupe de la digitalisation du secteur gouvernemental et de le rendre libre de papier. Et je pense que nous pourrons faire cela le plus rapidement possible, parce que la question suivante, l'impact de la dette publique qui a été encourue pendant la COVID, eh bien, nous avons plus besoin des revenus, des taxes qui viennent et une stratégie optimale, bien sûr, serait différente pour chaque province, mais je pense que le gouvernement actuel essaye, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous nous trouvons sous un programme d'ajustement. Et donc, nous avons observé qu'ils sont en train de penser que cela n'a pas encore été mis en œuvre, mais qu'ils sont en train de présenter un changement, disons, pour la taxation directe. Nous sommes dans le processus de réduire cette différence et même quelqu'un avec moins de ressources doit payer des taxes directement. Cela, bien entendu, aura un impact sur les groupes les plus bas. Mais disons que si des groupes commencent pour quelqu'un qui gagne 400 000 livres par mois, ils vont commencer pour quelqu'un qui gagne 300 000 par an. Donc, vous passez un niveau en dessous afin d'inclure davantage de population dans la taxation directe. Je dirais que c'est l'intention du gouvernement, mais à part ça, le gouvernement a aussi indiqué qu'il souhaiterait changer les prix de l'électricité. Et maintenant, nous voyons qu'il y a donc une augmentation parce qu'il y a beaucoup d'inflation et le gouvernement a besoin de financer cela également. Merci. Merci beaucoup, Saïra.
Merci, Adéola. Nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais vous remercier de vos commentaires, votre participation et aussi au public d'avoir participé et de poser des questions aussi pertinentes. Je voudrais aussi remercier Marjorie et Jenny et Pep de l'organisation de cet événement. Je remercie aussi l'interprète. Et surtout, je remercie le CRDI pour le soutien qui nous permet de mener à terme ces études pour ce projet Core. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Lucas. Merci beaucoup de ta modération, c'est très apprécié. Et nous allons maintenant clôturer l'événement. Merci.